Et salut tout le monde, c'est Atomania, et on se retrouve aujourd'hui pour le 22e, je crois. Le 22e épisode de mon Let's Play sur Pokémon Pearl. Donc la dernière fois, nous avons donné la potion secrète au Psychoquack. Un Meloquric, que j'aime pas trop Meloquric, donc du coup, on va faire un petit peu d'XP sur lui. Je dis vraiment un petit peu. Et j'espère que ma manette ne va pas bugger cette fois-ci. Hein, parce que sinon je serai obligé de rejouer au clavier. On va accélérer un peu. On accélère un peu parce que quand même le combat est très long. Enfin, quand je dis qu'il est très long, enfin, c'est un combat contre un Pokémon sauvage. 431 quand même. Alors qui a besoin d'XP là vraiment? Alors bon, on va laisser Ponyta. Au moins jusqu'au niveau 28. Et un Ponyta. Ponyta contre Ponyta. Qui va gagner? Et... Ah non! Ah mais... En plus, il n'y a pas de torche, c'est vrai. Écrasement. Voilà. Et encore écrasement. Et c'est bon. En plus, il monte à niveau. Voilà, donc niveau 28. C'est quoi qu'il va prendre? Bélier. Il va aller prendre la place de rugissement, ça peut être très très utile. Bah du coup, on va mettre Monsieur sans coquille. Sans coquille, qui va peut-être bientôt évoluer. Et le sans coquille est ici. Alors, on va peut-être utiliser un repousse. Alors, est-ce que j'ai des repousses? Ouais, j'ai des petits repousses, ça va faire l'affaire. Je savais qu'il y avait un dresseur ici. Je fais partie du trio ninja quand on me débuste que je combat. Ok. Alors, Rakai, on a bien fait de changer de Pokémon. Au niveau 23 quand même. Bon, ça va. De toute façon, son coquille va évoluer. Niveau 28, je crois. Et oui, niveau 28. Sans coquille, tu vas peut-être monter niveau 27. Et ouais. Allez, niveau 27, ça te fait quoi sans coquille? Ça te fait rien. Voilà. Et Rakaillou. Un petit Rakaillou. Vibra quoi? Allez. Et c'est bon. Il est mort. Il est mort. Et un Rakaillou. Ah, ça va aller vite là, l'XP de son coquille. Ça va aller hyper vite. Et vibre à quoi? Vibre à quoi? C'est bon. Ah, il a monté en moins un niveau. 406. Ah, il est presque à la moitié. Il est... En un seul combat, il a fait qu'un niveau. Alors, on va voir c'est quoi cette Pokéball. Et une hyper potion. Pas mal. Allez. Ah, l'anti-brume. L'anti-brume, la brume plutôt. Si je possédais la capacité 5-4 anti-brume, je créerais une éclaircie. Mais oui, anti-brume permet aux Pokémon oiseaux de battre des ailes pour disperser le brouillard. Ah. Et on l'a pas. Tant pis, la première fois que je l'ai faite, moi, je l'ai fait sans anti-brume. Je t'ai fait peur. Le temps que tu remettes de tes émotions, j'aurais remporté la victoire. Ouais, mais bon, j'ai un sans coquille qui va bientôt évoluer, donc bon, hein. Tu vas pas me faire la morale, hein. Niveau 23, quand même. Ah, le brouillard est épais.
Mais ça fait un petit vibre à quoi? Ah bah oui, à cause du brouillard, hein. On rate tous les deux. Ah, merci le brouillard. Allez, toi tu rates pas sans coquille. C'est bien. C'est bien sans coquille. C'est très bien. Ah, il n'est pas confus. Il n'est pas confus. Il ne veut pas être confus. Cruel. 15 PV quand même. C'est bon, le Nosferatu il est KO. En plus j'ai fait un coup critique quoi. Ah, il faut plus beaucoup de d'expérience pour faire évoluer son coquille. Peut-être qu'il va évoluer dans cet épisode. Morsure. Vibra quoi, on va accélérer. Hein. Ça sert à rien. Ah. Ouh, coup critique. Le coup critique qui fait du bien. 265, ouais, je pense qu'il va évoluer en cet épisode. Je pense. Ouais. Ouh, Nosferatu, c'est pas mal ça, ça va bien faire monter l'XP. Par contre, niveau 25. Hein. Cruel, ça va, il a raté. Je me suis pris qu'une attaque pour l'instant. Je me suis pris qu'une attaque cruelle. Ah. Il peut pas être confus. Donc du coup, on va réaccélérer. Étonnement. J'aimerais bien qu'il soit confus. Allez, on accélère. Ah, il veut nous faire une folie quand même. Allez. Cruel. Ah, ça rate, ça rate, ça rate. Merci la confusion. Youpi la confusion. Donc du coup on va tout de suite changer de Pokémon. On change de Pokémon. On va envoyer notre ami Tourbol. Donc du coup on va faire tout petit speed. Ah, il va bientôt monter le level 30. Attaque. Voilà. On va peut-être continuer le vive attaque. Ouais, ça, j'accélère les combats. Ouh, allez. Allez, s'il te plaît. Ah, oui, yes. Peut-être qu'il va monter de niveau. Ou pas. Bah, par contre, c'est Tourval qui monte de niveau. Donc c'est pas plus mal. Le brouillard est épais, donc le combat continue. Ah, Rapion. Il n'est pas poison, lui, par hasard, Rapion. Je crois qu'il est poison. Je crois. Je crois qu'il est poison. Ah. On va faire Boubombe, pour être sûr. Alors je vais pas faire toute la route dans cet épisode. Hein. Ah non, il est pas poison visiblement. Il est pas poison, mais il est quoi déjà? Il est quoi déjà? Il est quoi déjà? Allez, vibre à quoi? Presque quand même. Eh hey, mais il va presque monter de niveau là. Parce que je vois là. La barre d'XP. Il va bientôt évoluer. Enfin je crois que c'est niveau 38. Hein. 28 plutôt. C'est niveau 38 quand même. Hein. 610. Mais va-t-il évoluer? Va-t-il évoluer? Va-t-il évoluer? Et non, il n'a pas évolué. Fallait par où là? Ah, faut continuer un peu par là.
Ouais, c'est ça. Bon, notre son conquis n'a pas évolué. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un petit peu. Oh, Ponita. Mais peut-être qu'il évolue. Niveau 38. Je suis plus sûr. Vibre à quoi? Il a voulu me faire un écrasement en plus. Bon, allez, dépêche-toi là. Allez, hop. Ouh, Bosca, oh, pas mal. Pas mal. Sauf que moi je peux switcher sur Ponita ou Étourvol. Donc c'est ton choix. Alors, on va switcher sur Monsieur Ponita. Même s'il n'a pas beaucoup d'attaque feu, hein. Mais tu accélères tous les combats. J'ai décidé comme ça. Hop, Flamèche. Ah, pas mal. Méga Sensu. Contre un Pokémon de type feu, ça fait mal. Ça fait pas mal. Allez, j'accélère tous les combats. Purée, allez. Non, le brouillard, merci le brouillard. S'il te plaît, fais-lui mal. Ah non. Ah, ça va, morsure. Il a raté. Allez, la potion max. Sur toi. Ouais, je sais, j'accélère un peu tout. Les flamèches. C'est bon. Le brouillard est épais. Ah bah oui, c'est vrai. Mais je voulais pas fuir. Et sans coquille. Moi j'accélère tous les combats. Tous les combats, je m'en fous. J'accélère tous les combats. Là, je m'en fous si vous dites 30 accélérations. J'accélère tous les combats. Mais ça ira plus vite. Et ouais, c'est un petit peu la séance d'XP, hein. Une séance d'XP pour les dresseurs. Et bon, sans jouer une difficulté supplémentaire parce que voilà, il y a le brouillard. Hein. C'est bon. Et le Ponita, il est KO. Voilà, c'est bon. Alors moi j'ai utilisé une petite super potion. Quand je me baisse un petit peu, je peux voir. Quand je me baisse un tout petit peu, je peux voir le. Je peux voir où je peux aller. Un combat lancé par duo. Jan et Zoé, Léviator et Raichu. Un Léviator et un Raichu. Pour le Raichu, je peux utiliser son coquille. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Par contre, pour Raichu, je vais faire. Pour l'évateur, je vais faire écrasement. Tonnerre. Ah, il ne tanque pas. Et moi, je t'envoie Boscara, mon petit gars. À chaque fois, je me trompe de bouton. Écrasement sur Raichu. Ah non,
On a plus de 15 minutes. Tonnerre. Ok. On va perdre. On va perdre des gens. À cause du brouillard, quoi. Moi, je montre pas l'écran du bord. Voilà. Moi, je m'en fous, je te fais vol. Oui, il veut faire comme une attaque. Il veut faire une attaque statique. Non, pas statique quand même. Soin statue. J'ai un total soin. Voilà. Un total soin pour ceux qui veulent savoir. Tonnerre. Dommage, il rate son attaque. Ah, faut éliminer le. Le Raichu, et après on sera tranquille. Et il rate son attaque. Ah, 40 PV. Alors moi, j'ai soigné mon boss car il n'aurait pas dû faire ce combat. Il va attaquer sur le Raichu. Voilà. Ah, tu. Non! Tant pis. Ouais, au moins, il y a un Pokémon qui a réussi une attaque. Vive attaque, c'est bon. J'allais dire c'est bon en plus. Ah mais arrête avec tes dracorages toi. Ah j'aurais dû le faire sur le Raichu. J'aurais dû faire l'attaque morsure sur le Raichu, comme ça il serait KO. Toi tu fais vive attaque, ok? Voilà, c'est bien. C'est bien. Le Raichu est KO. Dracorage. Allez, allez, repiquer. Ah, il fait pas mal, quoi. J'ai pris les deux attaques. Allez, hop. Boscara. On est déjà à 18 minutes, quoi. Moi, j'avais prévu de faire du 15 minutes. J'ai prévu de faire du 15 minutes. Ouais, j'accélère. Ouais. Si je dis, plusieurs fois, le mot accéléré. Allez, allez. Yes. Yes! Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réanimer un Pokémon. Ah non, ah non, je peux réanimer. Et les deux qui sont KO. Et oui. Et oui, je peux réanimer ces deux-là. Allez hop. Allez! Voilà. Et hop, une tour vol. Allez, on va se quitter là, les gens. Alors, merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde!